Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Naudet. Je viens de finir une mission en tant que volontaire en Irakien dans le village de Badares. Le projet, c'était d'installer deux pompages solaires, un sur la région du Haut et un autre sur Badares. Ça a été vraiment un projet particulier pour moi, car installer des pompes solaires dans une région qui est quasiment alimentée à 100% par des groupes électrogènes, c'était vraiment une grande motivation. Et je voulais vraiment faire un projet pour mon frère chrétien, voilà, qui s'est fait ces dernières années. Ce projet s'est passé en deux temps. Donc un premier, on a monté les châssis qui allaient servir à transporter les pompes. Et un deuxième où on a fait toute la partie câblage, puis les tests. C'était assez motivant pour moi car j'ai pu former les volontaires présents qui pour la plupart n'y connaissaient rien dans ce domaine, mais ils ont vraiment été super motivés, sentaient que ça les intéressait, sachant qu'il y avait aussi des villageois de Badares qui étaient là autour de nous et qui étaient vraiment motivés par ces innovations. Donc pour finir, ça a été vraiment une expérience très forte pour moi. Car au début, c'est vrai que cette technologie avait l'air de leur paraître un peu trop compliquée. Mais au final, il y a eu vraiment un engouement autour de ce projet. Ils ont vu que ça marchait du premier coup, sans pétrole, le fait que ça soit mobile. Donc en fait, on s'est dit que si c'était possible de faire au niveau de mon village, il y avait peut-être des possibilités pour éventuellement créer des emplois dans ce secteur-là. Voilà, c'était une expérience vraiment très forte pour moi. J'espère qu'on pourra continuer à développer ce type de projet.